Ici un autre challenger de rap de chez Challenger, donc Trigano Group, et c'est le 264 Start Edition. Donc c'est un lit sur soute. Alors on voit ici le bricolage à faire pour transformer les banquettes latérales en siège route. Alors ici, le salon, sur un 7 mètres, il est pas mal. Alors, il y a un lit, une place. C'est bien ça. 250 kg. Enfin, c'est une place ou deux, mais ça m'étonnerait que ce soit, enfin, deux places, moi je veux bien. Mais... Ça, c'est pas mal en fait, parce que le lit, il n'y a pas la cuisine qui... Enfin, je veux dire que le lit s'abaisse plus bas. C'est pas le cas, mais bon. Ici, il y a une petite extension. Bon, un peu riquiqui, ils auraient pu faire un peu mieux. De feu. Petit frigo slim, on dirait. Hein. Alors ici, c'est curieux. Ah oui, d'accord. Je crois que c'est un modèle. Bon, là, il y a un lit sur. Là, c'est mieux. Ils ont mis les liseuses du bon côté, on met sa tête là, contre le mur, sans problème, il n'y a pas de... Alors c'est vrai qu'on n'est pas, aéré s'il fait très chaud, machin. Mais on... c'est vrai qu'on pourrait dire, il devrait mettre des liseuses des deux côtés, quoi. Ou alors faire un système de fenêtres qui peut être protégé. Alors, il y a un peu de rangement, là, il y a un petit lanterneau, vraiment riquiqui le lanterneau. La cuisine sympa, bon, suffisante la cuisine, le salon est bien, le salon est bien. Alors ici, c'est pas mal ça, la hauteur sous plafond, elle est bonne. Allez, je me prends une petite douche. Alors ici, avec le caillebotti, ça va. La douche est plus en longueur qu'en largeur, donc c'est pas non plus super machin, mais bon. Bon, ceci dit, il y a mieux. Le lavabo en plastique, bon, ok. Je fais une petite pause là. On peut regarder dehors pendant qu'on fait ses affaires. Ici aussi. Là, c'est pas mal. Bon, c'est pas mal. Il y a des petits trucs à dire, mais c'est bon.